commencez à avoir des jolies teintes dans le ciel, je vais vous emmener avec moi pour voir le coucher de soleil. Beau bébé. Et puisque j'ai une toile unifugée, pourquoi ne pas s'en servir pour protéger le sol de la forêt? Je vais creuser un peu, retirer de la terre, mettre ma toile, remettre la terre par-dessus, et ça devrait protéger le sol de la forêt au moins autant que possible. Voilà, on est pas mal là. Ça devrait être un peu mieux déjà. Après, si la toile unifugée ramasse, ben, c'est son rôle. Elle aura rempli son rôle tout simplement. Plein de petites araignées là.
Bah ouais, on est chez elle. On est chez elle. Bah, il fait plaisir à voir ce petit feu. Il fait plaisir à voir. Bien, alors pour l'apéritif, je me suis pris une petite rousse fumée de chez Attractive. Donc c'est la microbrasserie qui est basée à Coublevis et qui est tenue par Yves, un brasseur qui aime bien le jeu de mots. Yves, Attractive, vous l'avez. Et la capsule, comme d'habitude, on la ramène avec soi. C'est comme la bouteille. Ça ne viendrait pas à l'idée de laisser une bouteille de verre vide en forêt. Et voilà, la capsule, c'est pareil. Ah, j'ai de la visite. Un chevreuil. On devrait entendre aboyer dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça pour l'apéritif? Ben, j'ai pris la viande de porc séchée, qui vient tout droit de Finlande, avec une petite halte par le magasin Résilience Nordique. Oh, déjà, ils sentent bon. Ah, ils sont super bons. J'ai l'impression de manger du bacon. Il y avait une araignée sur ce bout de bois. J'ai aucune envie de brûler des araignées. Un régal cette petite viande de porc. On a vraiment l'impression de manger du bacon, mais en plus épais, assez épais. Bon, et si on se mettait à cuisiner, hein? Ça pourrait être pas mal. Alors ce soir, au menu, je vais me faire une poêlée de légumes avec simplement des pommes de terre, des carottes. Et je vais rajouter la viande séchée de porc dans la poêlée que je vais faire revenir à l'huile de coco. Alors ça, ce qu'on entend, c'est plusieurs chouettes. Peut-être un mâle et une femelle. Peut-être deux copines. Et là, en ce moment, à mon avis, elles se demandent ce que je fais là. Et elles se disent, ça sent le feu de bois, c'est pas normal, on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que cet humain fait sur notre territoire ? Alors pour mon plat, l'idéal c'est de faire des tranches de carottes très fines parce que sinon ça va mettre des plombes à cuire.
fini la mousse. Donc quand on finit sa bouteille, on la met à l'envers et on la bloque à l'envers. Comme ça, au petit matin, il n'y a plus rien à l'intérieur, elle a séché et il n'y a plus qu'à la mettre dans le sac à dos. À l'endroit, à l'envers, peu importe. De toute façon, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je commence à mettre l'huile de coco. Ok, elle est bien liquide. Il n'y a plus qu'à mettre les légumes. Maintenant, on va surveiller la cuisson. Et puis d'ici une petite demi-heure, normalement, je vais passer à table. Voilà. Ça va être bon. Je vais laisser mijoter comme ça pendant quelques minutes. Qu'est-ce que ça sent là ? Ah, ça sent bon, c'est sympa. Allez, on va remettre ça à cuire. Donc là, l'idée, c'est de faire cuire de très fines allumettes de viande séchée de porc avec les légumes, puisque c'est du porc, ça va faire comme des lardons et je pense que ça va être pas mal. Voilà, ça a une bonne tête, c'est sympa. Voyons voir ce que ça donne. Oh là là. Cette sauce soja. C'est un régal. Je pense que tu mets cette sauce dans n'importe quel plat et tu te régales. Un petit bout de tomme de chartreuse. Après quoi, brossage de dents et dodo. Ah, j'aurais dû prendre une petite miche de pain quand même. Là, c'est un peu dommage. La tomme et la viande séchée dans un sac. Je vais suspendre à une branche assez haut, comme ça, s'il y a un renard, ça risque rien. Allez, pour ce soir, c'est là qu'on va se quitter. Nous, on se retrouve demain matin.